Eh bien le bonjour à tous, et bien le bonjour à toutes, et aujourd'hui dans My Garage, nous allons nous attaquer à une voiture de légende. Pas celle-là, bien évidemment. Je vais vous expliquer un peu le projet qui va être un peu long à faire. Ça va être vraiment la voiture de légende que trois quarts des personnes connaissent, bien évidemment. Enfin, j'espère que trois quarts des personnes ne connaissent. Toutes les pièces sont là-dedans. C'est un mode, bien évidemment, dont les pièces viennent de la casse. Je n'ouvre pas, sinon tout va tomber, tout va s'écrouler. Vous voyez, ça dépasse partout. Et là, notre premier objectif, c'est de dépouiller cette voiture-là complètement. La démonter vraiment complètement. Bon, sauf le plancher, bien sûr. Plancher, il n'y a pas besoin de le démonter. Sinon, le restant, il faut tout retirer. Parce que ça ne servira à rien. Le coffre, il est déjà parti. C'est un bon coffre, ça. On démonte tout, on balance tout à la poubelle. Pense embêter la vie avec ça. Des pièces comme ça, on va ouvrir la porte, comme ça sera plus vite. Déjà, on va gagner du temps. Le toit, on va le garder. Bien évidemment, c'est important. Voilà. D'accord, sans les vitres, ce sera beaucoup mieux aussi. Parce que quand je vous ai dit qu'il faut tout démonter, faut tout démonter. Tout démonter et ne rien garder. Bon, enfin, si le. Ah, tu viens là, Toby. Bon. En vrai, celle-là. Enfin, si le strict minimum, le châssis, tout ça, ça on regarde. Mais le restant, on balance. Et j'ai pas dit on s'en balance. Hein. Excusez-moi si je parle doucement, mais là, je suis vraiment. Qui dirait dans le radar? J'ai vraiment un peu du mal là, à parler normalement. Mais ah, c'est pas vrai ça. C'est chiant ce truc. Bon sang, balance. Voilà. Ça. On balourde. Ah, je vous l'ai dit, là c'est vraiment. Des pompages complets. Hein. Bon là par contre c'est des pare-soleils qui sont carrément collés sur la voiture, en parole. Bah oui. D'accord. Pourquoi pas? Ça marche pas non plus? Non, tant pis. Mais ça restera là. Bon, ça va pas me prendre la tête en ces temps. Hein. C'est un plus. Ça, allez. Poubelle, ça rapporte pas d'argent, tant ou pas. J'ai regardé, ça rapporte de l'argent ou pas. Pourquoi pas. Donc, quand je pourrais vous dire, moi, un petit indice, si je vous dis que la voiture qu'on va faire est de. Célèbre voiture d'un film d'horreur. Enfin, film d'horreur, ouais, on va appeler ça film d'horreur. Plutôt jeune comme film. Nous, les anciens, on l'a connu. Les jeunes, un peu moins. Par contre, là, elle tombe pas. Ça, c'est pas logique. Des ailes anti-tombantes, ça va parole. Voilà. Et ouais. Donc, comme je disais, les anciens ont connu, les jeunes un petit peu moins. Sauf ceux qui sont tombés sur ce genre de film-là et qui ont été fans. Là, je commence à vous en dire un peu trop, là. Hein.
À vous maintenant, je vous laisse la réflexion, réfléchir à tout ça. Et oui, quand je te dis qu'il faut tout dépouiller, c'est qu'il faut tout dépouiller. Là, franchement, on démonte tout. Bon, malheureusement, les vis, il faut choper de l'intérieur. Ah non, raté, c'est les boulons. Voilà. Hop. 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 Et hop. Et voilà. Le radiateur, on va le garder de côté. On changera de durée plus tard, bien évidemment. Pourquoi ça tient encore, ça? Surtout les ailes, ça m'intrigue cette histoire. Encore soudé ou quoi? Oh, j'adore les voitures américaines. Aussi complexes les unes que les autres à démonter. Des grosses voitures, des gros paquebots énormes. Question démontage, c'est le bordel. On peut dire que dans ce jeu-là, vous pouvez compter le nombre de voitures françaises. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, oui. La voiture franchie. Bon, si tu veux jouer, on va jouer alors. Je comprends pas pourquoi tu veux pas venir. Mais tu vas venir quand même. Tu vas venir là, oui. Oh. On démonte le support du radiateur, bien évidemment. Ça n'a rien à faire dessus. Voilà. Tout le bloc a bougé d'un coup. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a rien dessous. Non. Le repos. Et l'aile est toujours là. Pas les chevaliers dans le coin. Non plus. C'est quoi ce délire de cette voiture-là? Il y a un doute. Faire quelque chose. Là-dessous. Là. Là, la soudure, normalement, de l'aile. Et... ou pas. Ouais, ou pas. Alors ça, c'est le genre de voiture que j'adore. On se prend la tête à démonter des pièces qui ne vont pas. Oh. Toute façon, on changera le moteur. Et les ailes ne tombent toujours pas. Mais c'est pas possible ça. C'est quoi ça? De tout tronçonner donc ça la force tout tombe. J'espère que moi le châssis va tenir un choc. Bon, toujours pas. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Bon. Ah, c'est au-dessus. D'accord. Merci, monsieur. Ah, casse-toi dedans. Bon, les ailes. Toujours pas. Bon. Ça a décidé à me chauffer les oreilles, quelque chose de carabiner. Toi, ma vieille, quand on cherche, on va finir par me trouver. Et franchement, toi, tu vas finir par me foutre en boule. Voilà. Attends. Attends. De jouer. On va jouer, t'inquiète. Je suis le roi de la rigolade, moteur. J'arriverai à avoir les ailes d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est sûr et certain. Donc alors,
J'attendrai de voir vos commentaires pour ceux qui ont trouvé ou pas la solution. C'est de la voiture qu'on va faire, qu'on va créer, bien évidemment. On verra ceux qui suivent ou pas. C'est bien beau de regarder, mais si ça suit pas, et oui, ça c'est pas pareil. Donc, tout ça c'est démonté. Ouais, ça se garde, ça se garde, ça prend ça se garde. Par choc, m'a piqué les vis. Ah non, ça c'est un réservoir, ça. Je crois que le pare-choc est soudé dedans, je crois. Ah non, il est là. Et là-haut. Espérons-le. Espérons-le que c'est les bonnes vis. Voilà, donc. Voilà. Allez, la plaque, dégage. Ça, c'est fait. Maintenant. Petite madame, vous allez faire un tour sur le pont. Et ça, vous inquiétez pas, c'est pas le pont d'Avignon, celui-là. Là, c'est le pont où tout le monde va descendre. Et j'ai d'aller sur le pont, je n'ai pas dû te barrer à 15 mètres. Ah, oh, c'est même pas un moteur, c'est un gruyère, le truc. Je savais pas qu'il y avait des mythes qui aimaient bien la ferraille. Eh bien, c'est les mythes de compétition, ça je vous le dis. Vas-y, voilà. À côté qui est fait. Voilà, saut, voilà. Le côté est pareil. Voilà. Voilà. On s'élève pour ta net. Non. Je raconte une connerie. Aïe, aïe, aïe. Allez. Alors, mesdemoiselles les ailes, vous êtes toujours là à me prendre la tête? Oui, bien sûr, vous ne voulez pas descendre. Vous êtes sûr de vous. Hein? Dernière chance que je vous donne. Non? Ça par terre, ça rebute. On va gagner du temps. Ouais, ça y est. La voiture que je vais la balançoire ce moteur. Ah, que sous ce support. Oh là là, je suis fatigué, moi. Quand je tourne ces vidéos-là, moi, je suis à moitié crevé. Donc j'en suis désolé. Je pars un peu en cacahuète. Donc je suis désolé. Franchement, c'est pas facile. Voilà, il manque un biloune. Il se trouve au-dessus, comme par hasard. Voilà. Comme ça, le pont arrière, lui, il va dégager. Enfin, pas le pont arrière, mais l'arbre à cames qu'on va garder par là. Voilà. Donc, on va le baisser un peu parce qu'on voit que dalle. Voilà, pas trop non plus parce que je remets passer aussi maintenant. Voilà. Il y a une vis de la boîte qui est là. La deuxième qui est ici. Elle tient plus à rien. Et les ailes tient toujours. C'est pas vrai, hein. Toi, je te jure, si tu veux foutre en rogne, tu vas m'y foutre en rogne. Parce que c'est ces voitures-là qui. Des ailes ne se démontent pas quand elle est là, comme on veut. C'est un petit peu chiant. Et qu'on se le dise. Voilà. Pas comme ça. Merci beaucoup. Comme ça. Et comme ça. Bon, donc. Écarboulant qu'elle est là. La boîte de vitesse qui est ici. Voilà. Écarboulant sur le démarreur qui est en bas là-haut. Échappement, il n'y a pas besoin de les collecteurs.
Les cartes d'admission, il n'y a pas besoin de les enlever. Le plus chiant, c'est le boulon marron qui est là. Alors, on va enlever. Le plus chiant, là, et le dernier se trouve ici. Voilà. Normalement, le câble, j'ai bien dit, normalement, il doit venir tout seul. Logique. Mal démonter le boulon quoi. Voilà. Là j'ai un câble fait. Ensuite, c'est pas fini. Bon je dis ça pour ceux qui sont un petit peu perdus dans le démontage, des moteurs et tout ça. Et un petit peu entartré le moteur. Hein. Aïe aïe aïe. Bon. Alors, choper le boulon, ce sera pas mal. Non, tu veux pas? Non. Autrement, on va passer le bras dessus. Voilà. Là, ici, c'est pareil aussi. Alors. Et voilà. Ça, on va peut-être garder pour l'instant. On n'est pas sûr. Et les ailes tiennent toujours au choc. Oh non! Eh oh, c'est pas possible ça! Vont me prendre pour une chèvre ou quoi là-dedans? Question à se poser. Hein. Eh, c'est les ailes collées ou quoi les gars vous avez mis là-dessus là? Parce que là. Oh. Bon, zut! Allez, debout! Voilà. C'est quoi ça? Est-ce qu'il tient en châssis ça? Voilà, ça c'est les pas de caisse. Et logiquement. Voilà, vous avez vu les voitures quand elles se lèvent? Génial. Génial. Vous avez beau la mettre n'importe comment. Comme par hasard, il y a une patte qui va me gêner. L'aile, elle m'énerve. Pas envie de tout faire tomber comme ça non plus, non? Donc, allez, on y va. Là. Ici. Là. Arrête de bouger. Ah, voilà. Et celui-là, il me gêne aussi. Il m'énerve. Vous voyez, c'est une voiture qui carbure toute seule, ça. C'est toutes les voitures qui font ça. Toutes, sans exception. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre, elles font tous la même chose. Elles carburent tous pareil. Et c'est génial. Je peux vous l'assurer. Voilà, vous voyez. Elles font tout ça, c'est génial. Pourquoi pas? Voilà. Moi, j'ai jamais vu une voiture faire ça dans la vie réelle, donc heureusement que c'est pas un jeu qui s'appelle My Garage Simulator, ce qu'il y a. Là, je crois que je l'aurais, comme qui dirait, descendu le jeu. Je l'ai descendu, c'est descendu. Regardez, ça recommence. Ça enlève encore. Pourquoi? Ah, je sais pas. Elle est bien équilibrée. Tout est bien en place. Ça me dire, oui, je viens de jeter des roues quasi neuves. Je sais. Vous avez vu ce que ça a fait? D'un coup, là, le moteur, la voiture s'est soulevée en un seul coup. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi quand même fait ça? L'aile, elle vient pas. Enfin, les ailes ne viennent pas, c'est pire. Boîte de vitesse, on va balancer aussi. Je garde rien. Voilà, bon, ensuite. Suspension, elle a l'air d'être propre. L'autre. Arrête de bouger. L'autre, elle n'est pas propre du tout.
Oh là 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 là, vous voyez le dégât quoi. C'est pour ça que je pense que c'est la dernière voiture qu'on fera sur ce jeu-là. Voilà, les bugs comme ça, des voitures qui se soulèvent tout seules sur un pont. Je n'ai encore jamais vu ça. Ce que j'ai encore jamais vu, c'est surtout des... Comment ça s'appelle? Des ailes qui tiennent tout seules comme par magie. Oui, vous avez bien entendu. Des ailes qui tiennent toutes seules comme par magie. Ouais. Parce que pour information, les boulons des ailes sont retirés. Les soudures, j'en vois pas d'autres. Alors là, faut m'expliquer d'où elles sont tenues les deux ailes. Ça, c'est le tablier. Ça peut provenir de là-haut, à mon avis. Ça, c'est le panneau interne qu'on va démonter si on y arrive avec ce bazar là. Ah, voilà, on a l'aile plus l'aile intérieure. Voilà pourquoi pas. Peux-tu venir ici? Oui, regardez-moi le travail. Au secours. Bon, ça, je vais me faire une joie de balancer cette vérole. Celle-là, pareil. Je sais, la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Vous aurez de quoi regarder tranquillos. Hip, 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 hip. Et là, on va démonter la roue arrière, bien évidemment. Hey, je suis en train de te retirer les routes, tout ça était encore trop long. T'arrives en cours à te balancer. J'ai pas entendu le jackpot sonner pour qu'on comprenne que j'avais les pièces. Pourquoi pas? Qui c'est ce? Ouais, mais où le pneu? Mais elle est pas mal celle-là. Et alors, arrête! Ah, regardez-moi ça, le travail. Oh, elle va tomber, hein? Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. Ça, tu feras plus, ça a pris. Ça t'arrêtera de me taper sur le système. Bonne fois pour toutes. Voilà. Vous voyez les phares qui sont encore dessus. Ça, c'est pas grave. Ils étaient dessus. Ils y sont plus. Ils étaient. Ils sont plus. Comme dirait mon oncle Louis de Funès. Mon tonton de Funès. A été potentiel but. Faites-tu combien? Du comme vous. Ah bon. Donc logiquement, si j'enlève ça, ça. Ça fait pas tomber les ailes. Oh. Comment ça m'énerve? Zaï, 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 zaï. C'est pas vrai. Mais c'est les... Non, mais... On ne reparle plus après de voiture américaine. Oh, que non. Ça sera terminé. Terminus, the infinitos. Point barre. Bon, tout reste là. Voilà. Coucouche, coucouche la niche. J'ai vu qu'il y avait encore deux boulons. C'est pas ça qui fait qui gêne. C'est le carreau. Focus, focus. L'aile est toujours là. Les bas de caisse sont toujours là. Et là.
Ah bon. Le boulon encore plus petit. La prochaine fois. Bon. Alors, on va balancer ça parce que c'est un peu le bazar. Voilà dedans. Voilà. Et comme je vous disais au début, parce que la voiture qu'on va construire, il nous faut plus rien de tout ça sur l'autre toiture. Sur cette voiture-là. Ben, on va y arriver. Voilà. Bon. Ah, elle se dure. Oh, là, elle vient toujours pas. Oh, la barbe. Alors, tu viens? Bon. Ah, bah si. Si elle est venue. Je dois une annelle, ça. Hein. Là. Voilà. 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 Pas trop envie de m'amuser à la montée parce que je sens pas du tout ce truc. Les soudures sont juste de là. D'accord, si tu veux. Alors celle-là pour la remettre, on va bien s'amuser. Ou pas. J'irai revoir ma Normandie. Zai, 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 zai. Bon, mais ah, pousse-toi, toi. Elle est là, la soudure. Donc logiquement, bah, qu'est-ce qui devrait venir? Ou pas? C'est chiant ce truc là. Oh. C'est pas vrai, il n'y a plus de soudure. Il m'énerve. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, parce que c'est le bras qui te retient. Oh. Mais c'est quoi ces ponts élévateurs là, qui retient, pauvre petit bas de caisse. Oh là. Bon, voilà les amis. On a enfin réussi à dépouiller la voiture qu'on voulait. Dépouiller. Donc maintenant, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. À vous de jouer. Dites-moi quelle est la voiture qu'on va fabriquer en plusieurs étapes, bien sûr. Cette voiture-là sera plusieurs étapes. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Quelle est la voiture qu'on va faire. C'est une voiture tirée d'un film d'horreur. Bien évidemment. Et je vous laisse sur ces derniers mots. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Allez.